Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser une ponceuse. La première chose à faire va être de prendre votre ponceuse et de venir y fixer le papier à ponce. Pour cela, chacun des côtés, vous devez avoir une languette de ce type que vous allez pousser vers le haut. Et lorsque vous tirez, vous voyez le morceau de fer qui se détend. Vous devez donc détendre le morceau de fer et venir passer le papier entre. Une fois que vous avez réussi à le mettre, vous voyez donc que le papier est pincé par cette pince. Ensuite, vous rabattez la languette et vous allez pouvoir commencer à utiliser la ponceuse. Suivant la surface à poncer, le temps de ponçage peut être plus ou moins long. Appuyer sur le bouton va au bout d'un moment être douloureux sur le doigt. Vous avez donc la possibilité d'appuyer sur le bouton d'actionnage et de venir presser celui-ci qui est au-dessus, qui va venir maintenir automatiquement le bouton. Pour le faire relâcher, vous appuyez dessus sans tenir l'autre bouton. Vous voyez, entendez un clic et il relâche. Pour le remettre, on rappuie, on appuie sur celui-là, on lâche et on peut le enlever. Donc, une fois que votre ponceuse est branchée, vous pouvez la tester. On voit qu'elle fonctionne. Et pour venir poncer une surface, vous allez devoir appuyer assez fort avec la poignée du devant et de l'arrière et venir la démarrer en faisant un mouvement rotationnel. Donc vous la démarrez à fond. Et comme je viens de faire, vous faites un mouvement de rotation. Voilà, c'était comment utiliser une ponceuse. Bonne chance à tous.